Thank you.
Ah, j'ai mon retour un peu fort. J'ai un retour en écho. Est-ce que vous m'entendez normalement? Merci de la remarque. Hein. Merci. Bien joué avec le point d'exclamation. Ça que ça sert. Là, c'est bon. Ok, génial, merci. Je vais reprendre mon élocution. D'ailleurs, je vais vous parler face caméra, honnêtement. Ah merde, j'ai pas lancé Winamp. C'est pour ça que dans l'angle, c'est cracra en noir avec un petit cœur. Non, je suis censé mettre une lampe. Donc je vous expliquais, pardon. J'espère que vous toutes, vous allez bien. Merci à vous d'être là. Ça me fait du bien de vous voir. Là, j'ai besoin de voir les copains là maintenant, de vous voir vous maintenant. Donc pour rien de vous cacher, j'ai. Oui, l'écho, c'est pas grave. Donc c'est audible, ça va. Oui, merci. Ah oui, c'est parce que j'ai pas coupé le son. Attendez. Non, c'est l'autre écran. Voilà. Là, ce sera bon. Pardon. Parce que oui, j'avais l'impression de servir une messe là pour le coup. Alors justement, je sors d'une messe depuis ce matin, une messe d'adieu. Voilà, j'ai enterré, enfin j'ai enterré. J'ai dit au revoir à un oncle. Voilà. Donc je suis secoué évidemment émotionnellement. Je suis éprouvé au niveau des nerfs, donc j'ai une fatigue plus, enfin, plus que la normale. Mais c'est humain, vous en faites pas. Maintenant, je suis auprès de vous. J'ai fini depuis une demi-heure le côté famille et tout, communication, et puis le fait de se détendre. Oui, c'est ça, c'est RIP. Une pensée pour mon tonton. Bref, oui, j'ai besoin voilà, d'être auprès de vous. On va se faire deux petites heures donc de Tomb Raider 3 à 21h. On bascule chez Fun Fan pour l'épisode commencé comme un truc normal, un week-end normal. Demain, je sais pas si je reprendrai dès 9h plus vers les 10h parce que je vais aller voter et je sais pas si dans mon bureau de vote, même si ça ouvre dès 8h. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer en coup de vent, voilà, et de revenir rapidement chez moi. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Qu'on fera Final Fantasy XIII en deux fois demain, le matin, puis l'après-midi. Sachant qu'au milieu, en début d'après-midi, on sera chez Fun Fan et on va faire un jeu en commun, il vous expliquera. Voilà, en gros, voilà le programme du week-end. Voili, voilà, je voulais mettre au point. Et bon appétit, Dispéum. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, je te lisais, je rigolais bien, et voilà, bien content de vous voir. Mais oui, déjeuner, vous avez raison. Moi, je me suis pris un petit truc tout à l'heure quand je suis rentré chez moi il y a une heure, là, le temps de discuter avec la famille au téléphone. Et je me ferai mon miam consistant après chez FunFan, quand il sera à 21h, là, que je serai plus face caméra. Ça va, j'ai plus soif que faim, là, et j'ai de quoi encore siroter. Tomb Raider, on va retrouver Lara Croft pour les aventures. Je crois que je faisais comme ça. Clac, 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 clac. Moi, il fallait que je mette en avant le chat pour que je puisse vous lire. Et blam, Lara Croft. Là, normalement, c'est bon. Ça m'a l'air bien. Elle était donc en Antarctique. Et on était dans un navire gelé dans les côtes glacées. Et je sais plus, mais je démarrais le niveau. Ah oui, alors j'ai des artefacts précieux. Faut que je me réapproprie les lieux là. Parce que mon cerveau, je l'ai éteint. Donc je le rallume là. En mode Tomb Raider. Attends, c'est pas une cale ça? Faut pas chuter dedans? Je sais même plus les commandes. Ah. Bonjour Morbo, j'espère que ça va bien. Ça fait plaisir de te voir, merci d'être là. Ouh, là, je vous dis pour moi que d'émotions. Donc vous en faites pas pour moi, mais c'est juste que je suis normalement éprouvé. Bonjour Olive qui tue. Mais c'est très gentil, pas de soucis. Oui, je comprends bien. Merci de passer Olive, j'espère que tu vas bien. Alors. Guidi. Ah, m'aide. J'ai fermé. Attendez. Il y a un truc sur les le navire. J'ai failli dire l'épave. Un peu sévère.
Je pense que le navire peut repartir quand même en mer, mais là il est pris dans la glace. C'est pas la bonne season. D'ailleurs, vu la configuration, on pourrait se demander si c'est pas un brise-glace. Oh non. Non, ils ont une trop beaucoup plus prononcée, les brise-glaces. Et puis on verrait là, justement la lame en avant là, qui pète la banquise. Bref. Attendez, il y a un truc qui m'échappe. Je peux pas progresser davantage dans le navire. Alors, l'environnement extérieur est tellement casse accidentel, on va dire, que je veux pas y retourner tout de suite. Parce que je suis parvenu donc à aller sur le navire après une petite cabriole d'escalade. Mais ce qui me frustre, c'est de me dire que j'ai zigouillé des mecs et apparemment j'ai pas de gain. J'ai dû louper un truc. Parce que l'accès est fermé. Oui, bonsoir Fun Fan, je t'ai même pas accueilli sur le canal. Bonsoir Fun Fan. Merci à toi d'être là. Ah! J'avais même pas vu. Il fallait dire que c'était un levier. J'ai envie de dire, dans la logique vidéoludique, là, il y avait un truc qui allait pas. Et donc, ah ben voilà, c'est vers la trappe là. Oh mon dieu. Mais mon pépin technique, en fait. Et vous aurez remarqué que le chat est revenu sur fond vert. En fait, Stream Elements donc a corrigé son bug. Et le temps de remettre en état de marche, de ressaisir mes codes et tout, il m'a dit mise à jour, il fallait que je redémarre. Merde, elle est morte. Pardon. Voilà, je vous parle, je suis même pas concentré. Bref, c'est un peu bête parce que j'aurais pu prendre l'antenne 1 heure plus tôt. Mais à force de faire mise à jour, de remettre en place les choses, mais l'intérêt, c'est qu'on a retrouvé ma chaîne d'avant. Donc les alertes doivent théoriquement fonctionner en plus. C'est ça qui est cool. Ça, c'est le gain. J'ai perdu un peu de temps, mais le gain, c'est que ma chaîne est revenue à la normale, quoi. Là, on devrait avoir la totale, tout doit fonctionner. Et bon, vous voyez, même le son a sauté au niveau du micro. Bon, merci, vous avez bien fait de me le dire. Histoire de restaurer le son. Mais ça, c'est lié à la mise à jour, ça arrive. Oh. Alors, il y a la fatigue, le fait que je baille aussi, mais n'oubliez pas qu'avec moi, quand je baille, c'est significatif que je me détends. Et j'étais un peu tendu dans ma réunion familiale. Voilà, je suis un peu éprouvé au niveau des nerfs, mais rassurez-vous, je reviens à la normale. Je vais changer de flingue parce qu'elle va se faire trucider. Elle a un fusil à pépon. Allez, bande de sagouins, que je vous défouraille! Eh ben, bon app à ceux qui sont à table. Est-ce qu'il y a des vilains? Oh là, il y a un étage supérieur. Non, tu pourras pas, mec. Je suis dans ton dos, tu pourras pas te venger. Attendez. Alors, il y a en haut, il y a en bas. Je serais tenté d'abord d'aller en haut. Que chuter, c'est facile. Mais remonter, faire une ascension. Ah, c'est pas pareil. Mais oui, t'en fais pas pour ça, fan fan.
Oui, on improvisera demain matin SDR. D'ailleurs, je pense à la technique. Si tu veux poser ta voix sur mon canal pour me guider dans Final Fantasy, on fera les réglages tranquillement demain matin dans les premières minutes de direct. Il faudra que je t'attribue effectivement les droits. C'est ça qui avait pas marché la dernière fois. Et merci Funfat, tu me l'avais rappelé. Oh, j'ai beaucoup baillé dans les minutes qui vont suivre. Veuillez m'excuser. Mais là, c'est bon, là. J'ai la soupape de décompression. C'est bon, là. Le temps de la relaxation est venu pour moi. Attendez, j'ai pas de gain là. Mais d'accord, j'ai pas ramassé d'objets spéciaux. Là, je suis sur la partie arrière du navire. Ce qui... Ah, attends. Attendez. Ah! Pourquoi la barrière est pétée là? Je veux bien sauvegarder. Ça devient intéressant. Je vais recharger. J'ai complètement merdé mon saut. En même temps, je vous cache pas que je regarde l'écran secondaire. Je vous lis dans le chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Ouais, je commets deux fois la même erreur. Le mec qui a rien appris. Nul. Faudra que je me concentre. Je sens que ça va être... Mes deux heures là, ça va être spécial. Attends, je suis devenu profondément débile. Comment j'ai fait avec Lara Croft pour la faire rentrer dans le trou là devant elle, dans The Grot. In The Grot. Parce que si je fais ça en avant, même il faut que je prenne un peu de recul, je crois. Voilà. Ah bah voilà. Eh oui. Ah! Oh! Oh oh oh! Oh, c'est un secret qui est vachement agréable! Qu'est-ce que c'est que ce joujou? C'est quoi ce joujou? Ah! Je retrouve le MP5 que les militaires du Nevada m'avaient shippé. De l'intérêt de faire les secrets par ici. Ah, là, je suis obligé de retourner dans l'eau. Je peux pas retourner sur le navire. Attendez. Puis il y a des blocs. J'ai soupçonné de pouvoir se pousser. Non, pas celui-là, il est pas cubique parfaitement. Ça se tient pas. Ça se tient pas. Le coup de la refil et la poisse. Ah là là. Oui, mais Fun Fan, c'est, tu sais, c'est le temps de s'approprier une interface. Mais SDR nous l'avait dit. Twitch, c'est pas sa tasse de thé. Twitch, justement, Discord, c'est pas sa tasse de thé. Je comprends. Je comprends que c'est. Voilà. T'as mal de chien à t'approprier une interface. Ouais, ça dépend du logiciel. Oh! J'ai passé mes deux petites heures de direct à bailler, à me présenter mes excuses, parce que j'arrête pas de bailler. Mon Dieu, je suis incorrigible. Bon, la promenade, là, je suis gagnant, c'est cool. Il y a le flingue. Et pourquoi la barrière est pétée là? Si la barrière est pétée, c'est qu'on invite. Ah, je peux me barrer par là. Ouais, peut-être que tout à l'heure, je me barrerai du navire par là. Mais. On a vu que j'ai pas exploré on va dire le fond de cale là. J'ai une partie inférieure à explorer. Et là on entend son cœur qui bat. Voilà, c'est comme qui bat.
bon ça. Et... Wow! Ah! Je pensais à un mec au-dessus. Mais attends, mais c'est un gros flingue que j'ai. Ah oui, c'est le flingue de la violence, c'est un fusil. Salopard. Oh! Il m'a donné des munitions. Ah, pour ceux qui se posent la question tout à l'heure, il y aura juste le temps de la transition chez FunFan. Le tableau mystère, je ferai juste que de le montrer. Je ferai pas les points, je ferai pas les. Il y aura pas véritablement de tableau mystère. On le fera demain. Quel est son gain à avoir jeté le canoë à la mer? Attendez. Donc moi, mon intérêt, c'était de mettre le canoë à la mer. Donc à mon avis, on va sortir du navire. Et voilà. Le canoë à la mer. J'ai appuyé sur ce bouton ou pas? Non. Je n'avais pas appuyé sur ce bouton. Ouais, là, c'est la sortie... Je suis en droit de sortir où je veux, non? Au niveau du navire, non? Parce que il est vrai que les eaux glacées, il faut pas rester longtemps dedans, mais... Attendez. Ouais, je pense qu'elle peut... Attendez. Et au moment où j'allais sauter, je me dis, sauvegarde. Ah. Les boules. Ouh. Oh, c'est scandaleux. Je recharge ma partie. Je vous ai pas fait un beau saut de l'ange. Je ne peux pas, vu de ces hauteurs, je suis obligé. Attendez. Magnifique. Aïe. Oh, c'est magnifique. Bah oui, replouf, mais avec l'as. Oh, putain, la vitesse à laquelle elle se les gèle. Oh, merde, il n'y a pas de rebord là. Ah bah elle est morte dans les eaux gelées. De l'intérêt, effectivement, de... Oh, la vache, ça va très vite. Hein. Ah non, mais hypothermie. Foudroyé, arrêt cardiaque, quick, plus de Lara Croft. Elle est mourue, la vilaine. Enfin, la vilaine. Oui, si, c'est une pièce de tombe. Kiki Kakoka. Comment demain, on est appelé au... Demain matin, tu commences ton stream vers quelle heure? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais ça me pose pas de soucis de me répéter, t'en fais pas. Normalement, les bureaux de vote démarrent à 8h. Ouvrent à 8h. Moi, je vais dès le début. Depuis que je suis tout jeune, moi, j'y vais à la première heure. Normalement, avec un peu de chance, je pourrais ouvrir mon antenne à 9h. Mais, je ne sais pas à quelle heure je vais sortir du bureau de vote. Normalement, dans ma... J'ai envie de dire ma principauté. Il n'y a pas... C'est tranquille. Normalement. Au pire, je démarre un peu plus tard vers 10h, mais vous en faites pas pour ça. Putain, je suis déjà perdu dans le navire là. Elle était où l'autre sortie par le dessus? Repair the loot. Attends, mais ça c'est le fond de cale ça. Je suis pas un idiot. Ah si. Non, attendez, sens unique, je peux pas aller là. Oh, il est pas, pardon. Il est pas si grand que ça, ce navire, et je me perds déjà. Eh, souvenez-vous, pour les amoureux de Lara Croft, là, dans Tomb Raider 2, il y avait le beau Santa Maria. Le beau navire coupé en deux, là.
oui, c'était par là que je montais, je crois. Merde, ça c'est le canoë. Oh, je suis mauvais. Je suis perdu, les doigts dans le cou. Mais non. Mais c'était où la sortie tout à l'heure? C'était là-haut? Je sais plus. Ah, pizza maison, bien. Non, moi ça va être pizza industrielle. Je sais plus ce qu'il me reste. Il me reste une pizza, je sais même plus quel parfum. Je sais plus. C'était là, je crois. Oui, c'était là. Oui, je vais faire pizza au niveau du miam. Ah, pas craqué, pote, mais non! Mais non! Je pensais pas tomber, moi. Oula, c'est la mort! Monte, remonte, remonte, remonte. Ah, bah, elle peut pas, c'est pas un truc. Ah, bah, elle est morte. Oh non! Ah, je suis deg. Bonsoir, Tunsen. Aïe, 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 aïe. Je vais me retaper tout. Non, je crois que c'était là l'entrée. Ouh là 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 là. Qui joue pire que moi dans Tomb Raider? Personne. Je suis une calamité pour faire revivre les aventures de Miss Lara Croft. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Bien vu pour la citation. Ah, il y a des petits bugs d'affichage quand même. Je me dresse bien. Ah, c'était là. Ah, et là j'ai un peu retenu. J'ai un peu retenu. Alors, je vais sauvegarder là parce que. Mazette. Et je peux pas faire un saut là, de là où je suis. Je vais la tuer. Il est où le navire? Attendez, j'ai chou, mais j'étais choqué là. Je peux pas faire comme ça? Si, je peux. Bah, je tombe pas dans l'eau. Merde, mais quel idiot. J'ai fait le geste qu'il fallait pas faire. J'ai voulu faire une roulade pour qu'elle se retourne. Nul le mec. On va y arriver. Hein. Merci. Très bien. Pour les clips, j'en suis friand. Non, bah j'ai rien. Non. Non. Non, 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 non. Par contre, j'ai fait tomber le canoë. Mon gain, c'est le canoë. Qu'est-ce que va m'apporter ce canoë? Oh bah. La vie peut-être. Vite ma grande. Oh, 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 oh. Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce canoë. Je suis obligé d'avancer en tournant, donc je vais y aller en zigzagant. Si je fais juste flèche du haut, il se passe rien. Ça calme. Attendez, je vais où là? Waouh, 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 waouh. Oh, Lara Croft. Ah, là je recule. Ah, là j'avance. C'est contrôle, ok. Oi, oi, oi. Attendez, on va y arriver. Voilà. Oui, alors. Oui, cette banquise.
sur le comité. Oh! Plus qu'un tableau, un mystère. Oh mon dieu. Mais j'accoste où, moi? Mais c'est dégueulasse. J'ai pas accosté. Brigand. Il va me tuer. Salopard. Attends que je débarque. Oui, casse-tu la fille. Non! Mais non! Lara, t'as pas le droit de me faire ça. Lara, Lara, recule pas, tu vas mourir. T'as les jambes glacées. Salopard. Alors lui, je vais pas lui faire de cadeau. Je me le fais au désert rigole, tiens, il va déguster. Ouais, ouais, fais ton kiki, toi. Ah, oh, il m'a coûté cher, le brigand. C'est ça, la rapidité. Excellente une scène. J'aimais trop le son, désolé. Oui, oui, je sais que tu l'aimes bien. Oui, bah, de temps en temps, tu peux te faire un peu plaisir. Oui, je plouffe beaucoup, mais c'est dangereux, le plouf. Dangereux ici. Elle peut quever, la malheureuse. Décuver, je sais pas, mais quever, oui. Eh? Mais non, mais j'ai rien. Que c'est la moque des nœuds. Je sens qu'il va y avoir de l'escalade de la structure. Ouh, chassant bon la niche calade. Ouh, chassant bon la niche calade. Ouh, la raccroche qui va tout péter. Oh non, j'ai compris. Palipapalipalipilou. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Dadi, dadou. Mais où allons-nous? J'ai besoin de me défouler, hein, vous l'aurez compris. Excusez-moi. Je suis 100% nature, là. Oui, de l'eau. Bien, Fanfan. Très bien. Exactement. Oh, je vais peut-être sauvegarder parce que je progresse là. On va pas dire que j'arrive à faire un petit bout de chemin. Oui. C'est ça. Cette circonstance en plus. Très bien joué. Très bien vu. Allez, je vais être là. MP5. Ne faites pas suer. Sinon, homicide. Homicide de la... Oh, bah, go, go, go. Mais je peux pas reculer. C'est une arme d'assaut. Faut que j'aille de l'avant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lui. Comment qu'elle est morte comme un caca. C'était trop bien dans le geste. Ah, c'était drôle. Ah, mais elle est bonne celle-là. Excellent. Alors, oh, j'ai une bonne arme. L'autre truc, il se promène. Non, merde, il donne rien. Alors, je sais ce qui m'attend maintenant, parce qu'il y a le loup chien, là. Le chien loup. Bang, bang, bang. Eh? Oui, t'es dans le thème du jeu. Mais... Pardon, faut que je lise un peu dans le chat, mais... Elle va crever. Oh, il faut dire aussi, je l'expose à mort, je la mets pas. Oh non! Le jeu qui a bugué. Oui.
L'arachidique. Qu'il est bête. Tu vas toutes nous les faire, une scène. Bel arrêt sur image. Hein. L'image est pas mal. Mais le problème, c'est pas ça qui va me faire avancer. Il a crash comment le jeu là? Attendez, je dois avoir une erreur, non? Non, j'ai pas d'erreur, c'est le sueur. Allez, go. Allez, on relance. Écran entre. Ah, je bois un coup, excusez-moi. Ah, que je suis content de vous revoir. Ah là là, merci à vous d'être là, les copains. Ça me fait du bien. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Oh, can I you, fun fan? Eh oui, je sais. On pourrait croire que je me rends aux toilettes. J'aurais presque pu. Oh, ça va. Ça a été assez rapide, honnêtement, pour la reprise. On garde le rythme. Oui, pour le bug, oui. Effectivement aussi. Ça va de soi. Bon, vive un canidé. Vous, vraiment. La radio cassette. Ah, radio cassette. Ah merde, elle est morte. Décidément, mais j'arrive pas à passer cette scène. Ah, je suis mauvais ce soir, excusez-moi. Ah, c'est moche, ZR. T'as extrait un déchet. Goops. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Oui, elle est bonne, le coup de la réponse au Wisebot. Oui, pardon, du coup, j'espère que je vous ai pas loupé dans les phrases. Hein. En même temps, je me repose un peu lâchement sur FunFan qui est présent. Je me dis que si je loupe un truc qui m'a adressé, il me mettra en vocal. En voix de synthèse. Ou en surligné. Mais je vous avouerai que je crois que j'ai... que j'ai pas lu tous les échanges là. J'ai pas tout suivi, pardon. Mais va cuiquer. Vilain garçon. Pouk. Bref. Oh, alors là, il faut bien avouer que le niveau est grand. Oh là 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 là, il y a un silo. Ouh, il y a des trucs à faire par ici. Là, il y a un truc, c'est pas possible. Oh, qui brigand. Va mourir. Je sais pas s'il est parvenu à me toucher. Que j'ai fait la roulade pour que... Oh, bug de... J'ai failli mettre le pied dans le vide. Oh non, j'ai entendu des grognements. Qu'est-ce qui se passe? What? Je suis pas là. Et hop, elle se suspend. Ah, c'est en bas que ça se passe. Non mais c'est un secret, c'est pas possible. Mais oui. Mais oui, c'est un secret. Il y a un truc à escalader, là. Oh là là, il y en a des choses... Attendez. Ah! La bébête! Elle va mourir, la bébête! Oui, ça c'est bon. C'est un ventre qui a faim. Chibidi boudi bouding. Attendez, je remonte en haut dans les slots, comme on dit. Les emplacements de sauvegarde. Merde, je pensais que j'allais pouvoir descendre tout doucement et puis je l'ai... Un petit bobo. Petit bobo pour Lara Croft. Si le loup devait donner un objet, je serais inquiet. C'est pas logique.
Allez, maman, bobo, pourquoi tu m'as fait chouer, pas beau? Allez, maman, bobo, hic, la ramasse poussière, oulolo. Petit secret, j'ai un gain de grenade, mais... pas sûr d'avoir bien exploré l'endroit, mais pourtant, on verra. Si à un moment je tourne en rond, je suis bloqué, j'en reviendrai par ici. Oh, il y a 50 milliards de trucs. Là, évidemment, on peut le dire, ils ont brisé la glace. Bonne app, Morbo. Bonne soirée, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir de te voir. A plus. Alors là, frère, j'essaie de te revoir sur ton canal, Morbo. Oula, non mais il y a des trucs à faire. Mais le problème c'est que les eaux sont glacées. Lara peut pas rester dans les eaux glacées. Et j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un boulet. Non, ça c'est la sortie d'un truc. Je suis pas dans le bon sens. Ce sera pour plus tard. Ouais, surtout le dimanche soir. Ah! Alors, ça dépend de l'horaire demain quand j'arrête d'émettre. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, Morbo, je pourrais peut-être te réserver mon relais de chaîne. On verra, hein, je te cache pas. Mais je te promets que j'y serai attentif, Morbo. Quoi qu'il en soit, bon appétit, bonne soirée. Merci à toi d'être venu. À très vite, Morbo. Eh bien. Me disait bien qu'elle allait réussir à glisser entre les piliers là, entre les interstices. Lara Plati. Je t'ai manqué, tu une scène. À vous. Tu voulais me voir dès le matin, t'es en manque. Eh bien. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un bouton. En l'actionnant, j'ai même pas compris à quoi il servait là. Attendez, il y a un truc qui m'échappe. Mais non, mais je. Ah, attendez. Je vais venir de là. Ah, oh, oh, c'est pas ça. Oh là 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 là. Il se passe beaucoup de choses. Les portes qui cuiquent. Ouais, c'est ça, ouais, la chanson Étoile des Neiges. Ouais. Ouais, c'est vrai que là on peut la chanter. J'y suis allé au mauvais moment. J'ai bien fait de sauvegarder. Ah, ils ont le sens de l'accueil, hein. Vous imaginez des portes comme ça au supermarché? Vous essayez de rentrer et quick, vous êtes mort. C'est horrible. Mais que signifie? C'est un scandale. Eh merde, j'ai pas le sens du timing, comme on dit en anglais. Oh my gosh. Pa 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 da pa pa da pa. C'est pas qui. Non, faut... Oh, 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 oh. Je me suis fait peur. Je m'en suis fait peur. Voilà. Ah oui, j'ai entendu le monde là. Wow. Oh, ils sont nombreux. Oh merde, j'ai plus de... M'en fous, MP15. MP5, pardon, j'invente des armes. Voilà. Au moins, ils font plus suer. Il y a un vilain, on entend un truc bizarre. Où es-tu, vilain?
Hein? Ah! Ah bah c'est bien! Oui, mais c'est cool si t'es là demain matin. Oui, tu vas mettre l'oreille pour exercer ton devoir citoyen, c'est bien. Et... Oh! Un pied de biche. Hommage à... Vous l'aurez compris, Half-Life. Oh non. Gordon Freeman. Cherchez son nom. Ah. J'ai bien fait de me pencher sur le cadavre. Je sais pas ce que j'ai ramassé, mais j'ai ramassé un truc. Mais on entend de l'activité là. Ils sont où là? Ok, ciao. Ça rend fou. Ouais, Half-Life, ouais. Qu'il faudra que je vous fasse d'ailleurs. D'ailleurs, dans les semaines à venir, là, rapidement, c'est-à-dire au plus tard, début mai, je me lance, j'en ai discuté avec FunFan pour pas qu'on le fasse en même temps. Je me lance dans Hérétique Exen. Dans les vieux FPS, là. Oh, oui, je veux bien une trousse de soins. C'est un truc à prendre, ça. J'ai l'impression que sur le bureau, je peux me servir. Oh non. Mais c'est quoi l'objet que j'ai ramassé? Oui, alors, il y a le pied de biche et... Ah, ça devait être des munitions. À quoi va me servir le pied de biche? Qu'est-ce que j'aurais envie de déboîter, là? Ah! Assassin! Merde. Merci. Je sais même pas me servir du flingue. Je vais revenir au flingue normaux parce que... Bon... Oui, merci. Attends, non, mais ramasse le cadavre. Il y a un truc? Non, il y a rien. Ok. J'essaie de faire fonctionner mon cerveau en me disant... Le pied de biche va servir à quoi? Il faut que je déboîte un truc au pied de biche, c'est sûr, mais quoi? Ah, mais oui! Il y avait la porte avec la planche. Oui. Où était-ce? Non, c'était pas là. Mais bien sûr. Je vais vous défoncer cette installation, moi, je vous le dis. C'était là, je crois, non? Oh là là. Mais il y a des choses à faire ici, j'ai rien fait ici. Oh là là. Je me suis précipité dans l'entrée du... Attendez. Je loupe pas des trucs là. Il y a des bras zéro qui sont pas actifs. Enfin les... Oh. Toujours ça de paye. Oui, mais tu feras comme bon te semble, SDR. Tu me diras, il n'y a pas de souci. Je te laisse plusieurs possibilités techniques pour que tu puisses t'exprimer en temps réel. Il n'y a pas de souci. Oh, il y a de la neige. Ah bah tiens, là aussi ça peut aider le... Bah oui. Ah bah tu m'étonnes. Défonce-moi tout ça. Donc le pied de biche va servir plusieurs fois. C'est dingue. Vous avez vu, c'est vicieux. Le pied de biche, j'aurais pu l'oublier sur place et me faire avoir. D'accord. Bon, je l'ai évidemment ramassé, mais... Attendez. Pardon. Ah oui, elle va encore faire sa gymnaste. Alors je vais sauvegarder par prudence, histoire de pas vous refaire subir ça. Et on y va. Ouais, le rythme est correct. Ouais, ça va.
Je vous cacherai pas qu'en prenant l'antenne, j'avais peur des plus brouillons que ça. Ça va, c'est correct. Là, je reconnais que je suis pénible, c'est de bailler tout le temps, mais je vous ai expliqué pourquoi. Une nouvelle fois, je vous prie de devoir m'excuser. C'est quoi l'intérêt de ma manœuvre? Oh, pardon. Excusez-moi, je vois que j'ai des messages, évidemment, par rapport aux 30 secondes. Je me permets parce que, comme c'est suite à un décès, les nouvelles vont un peu vite dans la famille. Je veux juste voir s'il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que mon téléphone m'a foutu un lien internet? Mais j'en ai rien pété. Excusez-moi, je m'énerve sur la machine. Ah, il y a du monde. Ah, c'est bien, le monsieur m'appelle à l'action. Action d'abord. Ah merde, elle est morte. Pardon, pardon. Oui. Oui, bon, bref. Ah là 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 là. Allez, pardon, je reviens vers vous. Je vous rassure, rien de grave, c'est pour ça que je suis relax. Parce que là où je me permettais de regarder, en fait, pour tout vous avouer et vous donner le fond de ma pensée, comme c'était émouvant, j'ai peur que certains, par l'émotion, soient malmenés et qu'il arrive un incident. Parce que voilà. J'ai des anciens dans ma famille. Hein. Moi, je suis presque un Benjamin du haut de mes 40 balais. C'est une vieille famille. Voilà pourquoi. Oui, comment le mec est resté stoïque après l'avoir exécuté. Non, mais c'est un tueur à gage, le mec froid. C'est... Tout être humain est un objet, là. Il a tout déshumanisé, le mec. Oui, donc je disais, c'est quoi mon gain dans cette histoire? Parce que c'est pas... Je vais prendre une petite trousse, hein, effectivement, que j'avais ramassée là parce que elle était à 10% de vie. J'ai pas compris. C'est quoi mon gain d'avoir ouvert là? J'ai tiré le levier, d'accord. Il y a quelque chose qui m'a échappé là. J'ai pas compris l'intérêt de ce que j'ai fait. Non, il doit y avoir un objet, ou alors j'accède à un lieu que j'accédais pas avant. Et là, je comprends pas le but de la manœuvre de descendre dans cette cabane. Bon, on va tourner dans le niveau, et si à un moment je me rends compte que j'ai merdé un truc, je reviendrai ici. Ça, c'est la porte. Mais oui, c'est la porte. C'est aussi débile que ça. Et on est d'accord, j'ai gardé la... Ok. Il y a encore un endroit qu'il faut que j'explose à la baramine. Et c'était... Faut que je revienne sur mes pas. N'hésitez pas à me rappeler l'heure. Hein. Je suis pas conscient de l'heure, là. Voilà. Je pourrais louper le 21h. Il faut surtout ne pas hésiter à me le rappeler tout à l'heure.
Ah! J'allais passer au devant de munitions. Elles sont précieuses. Surtout que voilà, et Fun Fact, je te donne raison de ce que tu avais dit. La stratégie dans le jeu, passer au Nevada, c'est se faire dépouiller. Et effectivement, de l'intérêt de commencer par le Nevada dans les choix de destination, ça permet de s'en mettre plein les fouilles après tout doucement dans les autres niveaux, au niveau armement. Là, effectivement, je me suis retrouvé à poil, ouais. C'était bien vu de ta part. Très juste. Oui, l'Inter6, merci. 0054. Oui, je dois avoir mon affichage de tableau mystère. Je sais plus où j'en suis non plus avec. Un jour, ça reviendra normal, vous en faites pas. Ah, c'est par là. Je prends le risque de sauter dans l'eau. Oh non, je peux faire ça proprement. À moins qu'elle soit passée haute. Ah, si, elle est assez haute. Oh, quel athlète! J'admire. C'était quoi ce bruit? Il y a eu comme une explosion là. Ah. C'est... J'ai ouvert une écluse là ou quoi? J'ai pas compris. J'ai dans le baba. Non. C'est l'homme qui dit non. Qui c'est qui vient voir Lara? Yeah! En vue FPS. Pas mal. Pas mal. Non! Le jeu qui rebug. C'est scandaleux. Remboursé. D'ailleurs, je sais même plus où est-ce que j'avais sauvegardé. On y retourne. Suis désolé. Trop bien, ta tête de boubou là. Boubou de l'univers de Dragon Ball Z. Trop bien, j'avais même pas fait gaffe. Bug, c'est une honte. On y retourne, on y retourne. Orage, ouais, tu peux. Bien, avec la musique qui s'enchaîne. Trop classe. Oups, j'ai pas fait la cabriole que je voulais faire. Ça lui va bien, Nounours. Il adore le manga. Sacré Nounours. Non, je viens de là. Et merci pour les clics.
Surtout sauvegarder, puisqu'elle va avoir droit à un comité d'accueil. Non? Bah, il était venu d'où le mec? Ah! La vache, il a le feu de tour, nickel. Non, le gars, il donne rien. Le gars qui donne rien. Donc il faudrait que je prenne le canot. Déjà je vais reprendre ma barmine. On est bien d'accord que la barmine ne va pas là-dessus. Ça n'a pas de sens. Puis là vous voyez Lara Croft qui s'acharne sur le pupitre électrique et plus de Lara. Oh mon dieu. C'est horrible. Non mais la scène, bon bref, voilà. Et merdoum, je savais que j'allais louper le canot et en faisant ça. Allez. Oh, il y a des roquettes à récupérer dans l'eau glacée. Comme c'est abusé. Mais non mais je peux pas passer là. Sentiment d'être un débile profond là. J'ai pas capté. Mais non, mais Lara. Oui, bah tiens. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Surtout prends tout ton temps, tu vas mourir dans les eaux là. Bouge. Mais non, mais. Elle est morte. La congelée. Voilà. Bah oui, je suis désolé, Esther. C'est un loupé monumental. Mais... Putain, je le fais exprès. Voilà. Le levier pour ouvrir la porte et sortir à... oui le levier que je n'ai pas, mais oui c'est pas cette barmine qui va faire le levier et du coup oui c'est lié en fait, c'est pour ça qu'en appuyant sur le truc ça sert à rien. Oui merci Tunsen, oui c'est logique. Est-ce que le levier... Ah mais oui, la cabane près du grand navire au tout début. C'est là qu'il est. Donc on va aller se repromener en bateau dans les eaux glacées. Comme ça. Oui, elle a bien sauté dedans. Même pas mouillé. Pas une éclaboussure. On y retourne. Oula.
attendez. Je vais sauvegarder parce que je la sens pas trop. Je voudrais bien qu'elle évacue du navire, mais elle veut pas. Pour elle, c'est pas inquiet. C'est vraiment programmé au plus près. Et c'est une pente qui casse mon mou ou ça passe? Je suis pas sûr. Non, elle ne voudra pas. Hein. Non, elle refuse. Pour elle, c'est pas inquiet. Oh, elle veut pas débarquer. Je débarque où, moi? Là, sans déconner, elle veut pas. Elle veut pas. Pourquoi tu veux pas débarquer? Ah, c'est correct ça, ça peut faire office de quai, non? Elle va me dire qu'elle va glisser, qu'elle va tomber dans les eaux. Lara, je ne te comprends plus. Ah oui, j'étais tombé sur une stat intéressante par rapport à la saga Tomb Raider. Sur les 6 premiers opus développés par Core Design, il paraît que c'est celui-là, le 3, qui est le plus apprécié. J'avais jamais fait gaffe, mais j'ai repassé par l'autre côté parce qu'elle refuse de débarquer. Tant pis, hein, je vais prendre l'autre livre. Hein. L'essentiel, il faut que j'atteigne la cabane, la petite cabane à défoncer au fond des bois, là. Ah non, sur la banquise. J'ai dit non. Oh, ce jeu avec des angles à la nouée. Et là, elle accepte de, hop, de sauter sur la terre ferme. Ah bah oui. Ah bah non. Mais quelle est... Oui, merci. Alors, c'était là. Ah non, je crois que c'était un truc qui a défoncé. Mais oui, mais non. Mais c'est horrible. Parce que je pensais... Ici, je croyais que c'était la planche de bois. Je me souviens plus qu'il y avait une serrure. Attendez, mais là, je vais aux fraises, là. Merde. Attendez. Qu'est-ce que j'ai loupé? En fait, je me suis fait suer pour rien, en fait. Enfin, avec l'embarcation. J'ai loupé un objet. J'ai loupé un objet, c'est pas possible. Je recharge, hein, je suis désolé, mais... J'étais quoi? J'étais en navire, merde. Oh, bon, on a gagné une petite promenade maritime, allez! C'est pas tous les jours qu'on navigue sur l'Antarctique. Allez-y. Non, mais... Le moment où j'ai eu la réflexion de me dire mais quel était mon gain là que je suis sorti de la baraque, j'ai dû louper un truc, j'ai dû louper un objet. Pardon. Oh, qu'est-ce que je fais? Merci. Alors attends, je re-sauvegarde là. Il va falloir que je retourne dans le truc. Qu'est-ce qui m'a échappé? Je pense très honnêtement que c'était dans la baraque là-bas au bout où on va retourner. J'ai zappé un truc. Et c'est vrai qu'habituellement je me mets la musique libre, puis là je l'ai pas fait, je baragouine et je vous laisse le son original du jeu. Vous me direz, on est deux petites heures entre nous.
Donc, c'est là-bas qu'il y a un truc. Faut que je remonte, oui, les 22. Faut que je remonte sur la plateforme. Donc là, j'ai ouvert un truc. Clac, clac, clac. Là, j'ai rien loupé. Là, il n'y a pas d'objet. On est d'accord. Mais non. Là, l'intérêt du truc, c'est d'avoir un accès. Ah, mais quel abruti! Je me suis vautré dans le bâtiment tout de suite, mais on voit qu'il y a un truc à droite. Oh là 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 là, faut que j'ouvre les yeux. Non, mais le pire, c'est comme dans la réalité. Hein. J'ai du caca dans les yeux, je suis bigle. Voilà! Une croisière quoi? Avec l'entreprise. Ah bah oui. On va se gêner. Surtout avec le sens de l'accueil qu'ils ont. Ah, j'ai gagné une petite rousse. Je vais pas me plaindre. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Attendez, j'ai loupé un truc là, non? Il n'y a rien qui s'escalade. Non, je viens de là. Bah, je suis même déçu. C'est tout. On est d'accord contre. Bah non, contre bas, j'ai aucun intérêt. Ah bon. Voilà. Pourquoi je suis ici? Ouais. Parce que je suis arrivé là, j'ai pas eu gain. J'ai ouvert la porte du truc. D'accord, mais vous me direz si peut-être que le gain c'était la baramine. Donc, dans l'hypothèse. Il faut que j'aille où? Je sais pas si vous entendez le bruit du son. Il excelle. Le bruit du son. Le bruit du vent. Attendez. Mais je suis pas allé là. Non, ça n'a pas libéré les. Non, j'ai pas libéré les canidés. Ah oui, gentil toutou, oui. Qui c'est qui va se faire croquer le cul? C'est la raconte. Radio amateur. Ici Spoutnik. Que ça parle de russe. Hop 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 hop. Oh, bah le malheureux est mort. On est sauvegarde. Oh putain. J'ai été empoisonné. Je vais recharger la partie. Je m'y attendais pas. Je croyais que le mec était mort. Oui, 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 non, ça fait peur. Attendez, il y a un truc là. Oh. Oui, ou fusil à pépon. Petit désert, il gueule. Oui, toi aussi, hein. Tu t'es laissé surprendre. Non, mais c'est bien fait. Oh merde.
Je pensais pas qu'elle allait passer. De toute façon, il est mort le truc. Attendez, j'essaie de le voir. Oh, le mec, il a été transformé. Bon, surtout par les graphiques, mais. Non, voilà. Pardon, je recharge. Il faut pas que je m'approche des cadavres. Voilà, c'est. Pas approcher des cadavres. On se recule. C'est plein de boudin. C'est là d'où je viens, non, non. Ah non. Allez, voilà. Ah, ne me dis pas que c'est la sortie que j'avais vue avant. Ah si. Mais là, pareil, j'ai pas eu de gain. Faut que je recharge. Je suis sorti de la zone, j'ai rien gagné. Attendez. Faut que je grand les yeux parce qu'il y a un objet que j'ai loupé. Peut-être que j'arrive en arrière du coup. Ah mais je suis pas allé là non plus. J'ai pas fait cette tente là. J'ai l'air d'avoir des trucs. Oh. Est-ce une bonne chose? Oula. Oh. Oui, non? Ah, si. Et ça fait quoi? Ça brise la glace? Ah. J'ai remis de la pression. D'accord. Attendez, là, il y a une épreuve intéressante. Ça va réchauffer les relations, là, oui. Ah ouais. Non, mais c'est un système de... Pas de chaudière, je dirais, mais de... Ouais, de valve, de cuve. Oui, on voit la petite... clac, 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 clac. L'animation de la jauge. Ta-ta-di-ta-ta-ta. Ti-da-di-dou-da. Didadidadidouda. Mm-hmm. C'est dommage qu'il y ait la tête de Lara au moment du plan parce que on voit pas l'aiguille qui bouge. Ça a été prévu pour et puis là je me fais snobber par Lara qui veut pas. Pourquoi? Ah, j'ai cru à un moment qu'elle avait mis trop de pression. Là. Ah, là on voit mieux. Clac, 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 clac. Et du coup, il n'y a plus d'eau, c'est ça? Attendez. Ah! Si, il y a de l'eau là. Oh! Attendez. On va éviter de se geler là-dedans. Donc après, nous progressons. Moi j'y jouerais, je serais perdu constamment. Bah, il faut essayer de mémoriser les lieux si tu veux. Essayer de, entre guillemets, de se faire une représentation 3D de la carte en tête. Mais c'est vrai, c'est une gymnastique intellectuelle. Et comme je le fais, ne pas hésiter à tourner en rond, à revenir sur certains lieux. Et se dire à chaque fois que je sors d'un lieu, est-ce que j'ai un gain? La logique vidéoludique veut qu'il y ait un gain après avoir accédé à une nouvelle zone. Avoir parlé à un perso, avoir récupéré un objet. Euh...
Je vous avouerai que j'ai pas compris ce que j'ai fait. J'ai fait mumuse avec les valves, mais ça m'a dégagé un endroit ou quoi? Je vais revenir auprès du canoë et puis je me rends compte que le niveau de l'eau a baissé. Ou pas? Bizarre. Je parlais des fautes d'orthographe quand tu corriges trois fois. Ah! Oui, bah du coup, je peux pas revenir là. C'est la fameuse pente de retour et par rapport. Enfin, au pire, j'ai. Bref. J'ai le sentiment de pas en avoir fini ici. Ouais. Je suis pas assuré. Oh, ils vont me dire que je suis trop proche. Oh, t'abuses Lara avec les bugs de collision. Donc, ouais, là il y a le truc plus quick. Et là rien. Ah ouais. Mais rien de rien. Oups. Attends. Je me cogne un plafond là. Ah non, je peux pas, j'ai pas le droit. Correspondait à je sais plus quoi, mais du coup ça a libéré les chiens ou quoi? Non. Attendez. Que si je... ça fait quoi ça déjà? Mais ça fait rien. Il y a un truc, c'est moi. Non mais il y a un truc qui n'est pas pigé. Il y a un truc que je n'ai pas pigé. Tac, tac, tac. Alors, je repense au mec au sol qui me crache du venin là. Mais finalement, il faut peut-être que je m'en approche pour ramasser un truc sur lui, non? Écoutez, on va peut-être faire le test, mais. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Si je fais ça. Bah oui, forcément. Ouais, il fait son venin, mais. Il donne rien le mec. Mais oui, le gars là, il se transforme en sirène. J'avais pas fait gaffe, mais c'est même plus des jambes qu'il a. Il a comme une queue de poisson là. Regardez-moi ça. Burk. Ouais. Il y a plus que le haut qui est humain là. Qu'est-ce que. Oh! Bonjour Devil Olive, merci pour le relais de chaîne. Et bonjour à tes spectateurs, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est tout gentil de faire un relais de chaîne. Bienvenue, bienvenue.
alors que SDR vient de remonter un Gobi demi-lune. C'est bien. Non, alors, je recharge la partie parce que je me suis fait empoisonner sans avantage. Il y a vraiment un truc qui m'a échappé. Eh ben, tu faisais quel jeu, Devil Olive? Bonjour à toi et merci encore une fois, Devil Olive. Je suis même curieux, excuse-moi, parce que il est vrai que quand je me suis connecté tout à l'heure, j'ai pas regardé qui était à l'antenne. J'ai voilà le temps de mettre à jour mon ordi. Oh, bah, c'est cool. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir de retrouver ces alertes. Ça refonctionne à nouveau. C'est cool. Oh, Pop and Repop, bonjour. Enfin, devrais-je dire bonsoir. Message de FunFan 1992. Bonsoir et bienvenue à la communauté de @DevilOlive. Et bonsoir à Aerostar. Oh là là, mais vous êtes tous seuls, les copains. Alors que je viens de faire tomber Lara Croft comme un nunuche dans l'eau. Ah mais j'avais peur de marcher dans l'eau, mais là je comprends plus. Sans déconner, je comprends plus. Non mais j'ai dû faire un truc à un moment au niveau de la gestion de l'eau. Là je peux pas aller dans les eaux glacées ici. Aerostar. Ah oui. J'ai eu un coup de fil urgent, donc j'ai loupé la fin du. Ah oui, du live. Ah oui, c'est terrible les coups de fil. Crucial. Oh, bonjour Crucial, que j'avais même pas vu. Oh là là. Mais oui, mais vous êtes toutes et toutes là. Tous et toutes là. Je ne sais même plus parler français. Ah. Oh oh. Oh, je l'ai. Attention, c'est la mort pour Lara. J'aurais jamais dû tomber. Oh là là, ben j'espère que vous allez bien. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Merci tout plein. Alors, vous voyez, là je suis sur du Tomb Raider 3, Lara Croft en Antarctique. On approche de la fin de l'histoire. Et pour le programme de la soirée, pour ceux que ça intéresse, dans quelques minutes, pour 21h, je vais faire Relais de chaîne chez l'ami FunFan. Et bon, comme pain que nous sommes... Là, je vais changer de rôle. Je vais devenir commentateur et FunFan va évidemment être diffuseur sur sa chaîne. Et il va faire du Runaway ce soir, Runaway 2. Et en plus de le guider, je vous apporterai des informations culturelles en lien avec la scène qu'il est en train de jouer en ce moment. Voilà, pour le spectacle, pour le programme. Bonsoir Bob Morlock, comment vas-tu ? Oh, ce défilé, vous me mettez en joie, vous avez pas idée. Ça tombe très bien en plus, par rapport à une journée émouvante pour moi personnellement, de vous voir. Rien qu'un petit coucou, merci tout plein. La partie de pétanque. Excellent. Bon oui, tu seras plus modo, FunFan. Mais ça reviendra demain. Tu vas revêtir ton autre veste, j'ai envie de dire, avec talent d'animateur. Oh, Cruixit, bonsoir. Et toi aussi, j'espère que tu vas bien, Cruixit. Eh bien... Du coup, je culpabilise. Je suis en train de me dire, là, vous êtes nombreux. Et puis, habituellement, je fais le tableau mystère. Alors, oui, moi ça va, merci. J'ai, voilà, journée émotion pour moi. Pour rien vous cacher, je sors d'un enterrement. Mais voilà, je suis content de vous voir. J'ai besoin de me ressourcer avec vous, là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'allais renoncer à mon tableau mystère. J'en avais parlé tout à l'heure, mais comme vous êtes nombreux, du coup, j'hésite. Du coup, je vais peut-être vous faire le tableau mystère, là, d'ici 10 minutes. Et vous pourrez essayer de deviner quel jeu compose mon tableau à l'écran. Le truc. Oui, merci. Oui, vous en faites pas pour les condoléances. Oui, merci. Oui, là, j'ai enterré un oncle. Hein, c'est la vie. Mais
C'est vrai que voilà, retrouver la famille et puis l'émotion était forte. L'émotion était forte. Donc bon, au niveau des nerfs, je me change les idées, je me change les idées auprès de vous. Wally, Wally. Alors. Waouh, j'ai pas trop perdu de points de vie avec Lara Croft, là j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû me raccrocher, je l'ai pas fait. Mais je suis en train de gamberger dans le niveau, je comprends pas. Parce que j'ai une barre à mine, et j'ai plus rien à défoncer. Faut que je me mette en quête d'un levier. Mais je vois pas où est-ce que j'ai trouvé le truc. Le dernier élément que j'ai changé, c'est les valves de flotte. Ou alors il faut que je repère le tuyau. Est-ce que j'ai asséché un endroit? Ah, peut-être en lien avec le canoë. Attendez. Je réfléchis dans le... dans Tomb Raider, là. La logique de mes mouvements. Ah, merci pour l'hébergement, FunFan. Moi, après les mises en bière, je bois une bière. Ouais, bah oui. Non, le niveau d'eau a pas changé. Mon gain n'est pas ici. Il faut que je relise où va la tuyauterie. Oh, c'est du point A au point B. Là, j'ai pas de tuyau. Attendez. Je gamberge au niveau du niveau, en fait. Faut encore que je me l'approprie. Non, là, on avait trouvé. Sur le côté, il n'y avait rien. Il y avait un truc à fusil que j'ai ramassé tout à l'heure, là. Il y avait des munitions. C'est un autre secteur qu'on a, le... Là, j'y avais fait quoi? J'avais accédé à ici. Là, les tuyaux, clac, clac, clac. Je peux rien faire avec ça, je peux pas aller dessus, on est d'accord. Ou c'est moi qui suis nul. Mais non, c'est trop, elle peut pas aller sur le silo. Enfin, le réservoir, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai manipulé les valves, il faut que je suive le... les tuyaux. Où mène ce satané tuyau? Hello de lui. Bon, d'accord. Bon, nul le mec, je me voterai. Tac, 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 tac. Je vais faire le parcours en sens inverse. On suit le tuyau, hein. La logique, c'est ça. Voilà, là on est aux valves. D'accord. Le sage, vu qu'il y a du monde, est-ce que je peux demander une augmentation de salaire? Ah, t'es un canaillou, FunFan. Elle est là. En même temps, dans le, à notre époque, c'est vrai qu'il faut tout faire pour défendre bef et ongle notre beefsteak au quotidien. Alors, attendez. Donc, le tuyau monte. L'enquête la plus passionnante de Lara Croft. Où mène le tuyau? Donc, c'est incrusté dans la structure. Sorti de là. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un truc derrière. Hé, goudou, goudou! Là, j'ai mon cerveau qui commence à fondre. Déjà qu'au départ, il était pas top top. Mais attendez. Pourquoi j'ai pas accès à ça? D'accord. C'est pas une porte qui s'explose comme ça. Attendez, qu'est-ce que j'observe là-dedans? Là, c'est de la machinerie. J'y ai pas accès. Est-ce que j'aurai intérêt plus tard à y accéder? J'ai envie de dire non. Y a rien d'apparent.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vanne? J'ai vidé une cuve, j'ai fait une réaction chimique, j'ai fait fondre de la glace. Lara qui sait toujours pas ouvrir une porte. Il y a un peu de ça. Et là, ce qui est terrible... attendez, je suis allé sur le côté, là, je sais plus. Bah oui. Oui, c'est une grotte... oui, c'est un peu... remarquez, j'ai pas tenté, mais les caisses me suggèrent d'aller sur le toit. Oula. Oui, alors c'est pour le décor, mais ça compte pas pour un bloc. Oh. Attendez. Mais regardez où on... Sur le côté. Ouh, il va pas finir dans le bras zéro, malheureuse. Mais... Il doit y avoir un truc sur le toit. Ah. Ah ah. Vous allez voir que ça va absolument rien apporter. Attends. Là, je suis au perché. Est-ce que je peux pas sauter à un endroit que j'accédais pas avant? J'ai envie de dire non, j'avais accès à tout. J'avais accès à tout. C'est dans ces moments-là, je me sens débile. Vous avez pas aidé. J'ai aucun intérêt à monter sur le toit. Et donc, je disais le pire. Au moment du relais de chaîne de Devil Olive et merci encore. Là je récolte. Et on est bien d'accord. Il y a rien à récolter au niveau de la table. Mais non. Il y a eu un repas machin et puis basta. Ou alors la radio. Faut que je manipule la radio. Radio Sputnik là. Non. Non. J'ai pas d'intérêt à tirer dessus. Non, ça n'a pas de sens. Faire taire la radio n'est pas la solution. Et si je veux voir le mec qui a plus grand chose d'humain, et voilà. Il m'empoisonne avec son crachat. Oui, Morlock et vieux jeu, ouais, non mais je... Alors oui, je le recommande sur YouTube. Vous cherchez Morlock et vieux jeu. Il a fait les Tomb Raider et d'autres jeux. Il explique super bien. Par exemple, les Tomb Raider, il vous fait un cours d'histoire, enfin un cours d'histoire, par fragments. Moi, j'ai l'impression de regarder Secrets d'Histoire avec Bern. Il construit tellement bien, il fait les niveaux complets, bien avec les secrets, et il vous explique telle texture, ça fait référence à tel objet d'art dans tel musée, avec telle explication en lien avec la civilisation, le peuple qui a créé l'œuvre d'art. Morlock et vieux jeu, foncez voir. C'est un régal. Le mec, c'est un chef. Bon, je vais m'arrêter là pour le jeu parce que je suis mauvais. Je vais vous faire un petit peu de tableau mystère pendant 10 minutes. Là, vous êtes nombreux. Voyez, je vais rapidement basculer en just chatting. Finalement, je vais ouvrir mon tableau. J'y pensais pas. Attendez, je passe en gros plan. Message de FunFan 1992. Ah. Ce qui est bien, c'est que tu lui fais un comme il te répond. Eh ? Oui, enfin, oui, non, tu fais une confusion entre Morlock et vieux jeu et Bob Morlock. Rassure-moi, Bob Morlock. T'es pas Morlock et vieux jeu quand même. Ou alors, révélation de. Bon. Le monde est petit. Oui, tu m'expliqueras de vive voix. Oui, je veux bien, FunFan, quand on sera en vocal. Du coup, je suis grave perturbé. Attendez, faut que j'ouvre mon tableau mystère. Ah oui, l'image. Alors, principe, pour ceux qui ne connaissent pas, le tableau mystère, je vais vous montrer une image et vous devez taper point d'exclamation TM. Point d'exclamation TM. Suivi de votre réponse.
Et là, il y a un jeu qui n'était pas trouvé, qui était en haut à gauche, le Z en jaune-orangé, là, avec le O en vert. C'est le dernier jeu qui n'était pas trouvé. Alors, tac, 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 tac. Moi, au niveau de Twitch, excusez-moi, je suis obligé de me mettre en règlement et de me déclarer en Just Chatting tableau mystère parce que c'est pas réglementaire, je peux pas rester en Tomb Raider. Sinon, ça va bien. Je vois dire tableau mystère. Je vais me mettre un peu de zik en même temps. Just Chatting. Oh mon Dieu. Voilà qui est mieux. Alors, qui c'est qui joue, qui répond quoi, que je sais plus, elle est où ma liste des réponses? Je veux ma liste des réponses! Bon. Alors, est-ce que ça vous inspire? Oh mon Dieu. Faut que je clique sur 1 milliard d'autorisations avant d'accéder aux données. Je vois des sottises. Oh, je vois des sottises. Fun fun. Ok, visiblement vous n'êtes absolument pas inspiré. Oui, fun fan, canaillou. Oui, c'est vrai que je comprends qu'il y en a plein qui soient désabusés sur le sujet. Ouais, c'était pour la petite vanne. Ah, c'est pas idiot, Bob Morlock. Mais c'est pas ça. J'adore cette musique, pardon. Je suis à fond dedans. Alors, pendant que je vous laisse réfléchir sur l'image, je reviens brièvement en plein écran en musique pour vous dire. Donc, j'ai eu des pépins et je reviendrai là-dessus à l'occasion plus tard. Mais j'ai eu des pépins avec normalement de la musique libre de droit que je diffuse là avec Winamp. Je vais sur dogmazic.net ou sur musiclibre.net et je vous fais découvrir des artistes tous les week-ends en habillage musical. Il y a des œuvres magnifiques. Mais je me suis fait taper sur les doigts par. Oui, je suis désespoir. Oui, ça tombe bien par rapport à ce problème. Il y a des vilains artistes qui déclarent en musique libre alors qu'ils se sont octroyés illégalement des passages et parfois des pans complets d'œuvres protégées. Ça, c'est pas bien. Donc, j'ai eu un souci pour tout vous dire à la vidéo de samedi dernier. J'ai toujours pas réencodé d'ailleurs et je vais le faire en début de semaine prochaine. Pour le mettre sur YouTube. YouTube m'a dit vous n'avez pas le droit de diffuser votre rediffusion sur YouTube parce que le propriétaire du titre refuse toute diffusion. Donc dur. Donc j'ai dû couper un montage vidéo, extraire le titre qui posait problème de 3 minutes là, que j'avais avant dans ma liste, qui était à tort déclaré libre de droit, et c'était pas le cas. Donc attention, ouais les chenapans, ouais c'est des sacripants, ouais. Mais c'est juste voilà pour faire un rappel, si vous êtes un artiste libre, c'est bien, j'invite vraiment à la compo, de partager ses œuvres, c'est génial. Mais attention aux droits d'auteur. Et là, il y a eu violation, mais j'ai envie de dire bête et méchant. Parce que l'intéressé s'est attribué voilà, un morceau protégé, il l'a réinterprété. C'est pas ça qui fait que vous êtes en droit de le publier en libre de droit. Voilà. Voilà, c'était le petit message que je souhaitais. Ah oui, tu une scène, oui, je veux bien. Je suis toujours preneur de tes infos, c'est génial. D'ailleurs, je suis en retard, je dois en lire beaucoup de toi. J'ai remis le tableau mystère, excusez-moi. C'est pas tout de voir ma tronche et mon petit coup de gueule. Mais voilà, je profite qu'il y a un peu de monde pour passer le message parce que c'est important. Voilà, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous relis un peu pendant que je vous laisse chercher pour ceux qui veulent jouer. Non, Twinsen, c'est pas Zul. J'attends le coup avec les NTFS. Hein? C'est pas Duplo. C'est pas Duplo. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Attendez. Tac, 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 tac. Ouais, ouais. J'ai bien revu toutes les réponses. Non, c'est pas ça. Alors. Je vais vous avouer, quelqu'un en semaine a trouvé.
Et je vous prie de croire que je lui ai donné aucun indice, mais il l'a trouvé. C'est mon cousin. Ryoli Saiba. En fait, je lui ai attribué les points. Je vais le déclarer comme trouvé, et puis on va passer à un autre tableau mystère. Je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Ça va permettre à Fun Fan de préparer son direct. Donc, dans la symbolique, je vais devoir déclarer que ça a été trouvé. Et il s'agissait de Brick 3D. C'est un jeu, Brick 3D. Et alors, je savais que vous alliez tomber dans le panneau en disant Lego. Mais de là à ce que vous séchiez à trouver le jeu, je vous cache pas que je suis surpris. Alors je suis ravi d'attribuer des points à mon cousin. Là, il m'a agréablement surpris, il les mérite. 500 points. Voilà. Allez, je vais vous préparer un autre tableau. Donc, je vais. Hop. On va dire que je vais virginiser le. Nouvelle grille. Tac, tac, tac. Hop, voilà, c'est pour les réponses. Tac, là j'ai plongé. Quel tableau n'a pas été pris? Allez, moi je dis on va prendre ah bah non, on a retrouvé le système de la roue. Ah oui, allez, non, je vais me faire plaisir exceptionnellement, je vais choisir. Je crois qu'on n'a pas fait le 33. Allez, je vais vous sortir le tableau 33. Je retire les boucles. Voilà. Alors veuillez m'excuser parce que le temps. D'ailleurs, faut que je donne un indice. Que je passe la cuisine. Le tableau numéro 33. Où est-ce qu'il est? Le boulot de défense. À vos claviers. Point d'exclamation. Oui. Point d'exclamation TM. Espace. Suivi de votre réponse. Allez, tableau 33, c'est parti. Je vais entrer la date. Qui reconnaît des jeux vidéo? Yeah. Mince. Bah, mon clavier qui a refusé de prendre l'année dans la date. Fini, oui. Alors, voilà, dans 30 secondes, je vais commencer à lire vos réponses. Qui devine les jeux vidéo qui correspondent à ce montage? Alors il y a 5 jeux, hein. Oui, j'ai pas expliqué. Le cartouche 0335, tableau mystère numéro 33 pour 5 jeux à trouver. Il y a 5 jeux à trouver. Bien, je vois des réponses qui tombent. Je vois des réponses. Alors, d'ailleurs, en parlant de réponses, il faut que je regarde les miennes parce que je pourrais pas compter les points. Ah, je vois quelque chose qui me plaît. Je vois deux choses qui me plaisent. Je vois trois choses qui me plaisent. Je vois quatre choses qui me plaisent. Oh là là! Ah! Allez, on commence. Que je vais déclarer déjà trouvé. Ben voilà, là où ça tombe. Vous reconnaissez Deus Ex 1 que Fun Fan vous a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Avec deux antagonistes, deux vilains, avec un distributeur de banque, la ATM. C'est Deus Ex 1. Alors, donc à partir de maintenant, j'accepte plus les réponses de Deus Ex. Alors, qui c'est qui m'a dit Deus Ex? Bob Morlock. Bonne réponse de Bob Morlock.
J'attribuerai les points juste après. Hop là, clac, clac, clac. Non, je vais le faire tout de suite. Ouais, allez, on va pas se bousculer. 500 points pour Bob Morlock. Ben voilà, c'est bien. J'ai bien joué. Alors, qui j'ai vu déclarer quel jeu de trouver là? Parce que vous en avez trouvé plusieurs en fait. Je vais y arriver. Oui, on peut dire que celui-là a été trouvé. Vous connaissez une tuture de course qui correspond effectivement à Daytona USA. Donc là, tu une scène à le point. Pour Daytona USA. J'ai pas mal joué à Daytona USA, surtout en bande d'arcade. Que de souvenirs. Alors, Daytona USA. En plus, comme les noms des jeux sont courts, je les réécris littéralement sans faire de copier-coller. Ça me fait bizarre. Généralement, je fais vraiment le copier-coller qui est plus rapide. On a dit qui? On a dit une scène. Yeah. Qu'est-ce que j'ai vu de bien aussi? Tu me diras en fun fan quand t'as lancé. Tac 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 tac. Oui, tu joues un peu aussi. Bah oui, je comprends. Tu as raison, fun fan. Alors, je vais déclarer trouver un autre jeu. Oui, ce bestiau monstrueux là. C'est effectivement dans Quake. Premier du nom. Bien. Qui c'est qui m'a trouvé Quake? Qui c'est qui m'a trouvé Quake? Je relis la liste des réponses. Il y a une bonne réponse une scène, une bonne réponse fun fan. Eh ben c'est bien. Non, il n'y avait personne d'autre. Alors, une scène et fun fan. Vous m'avez trouvé le Quake. Ta-da-da. Tic-tic-tic. Tic-tic-tic. Dans les petits points. Encore le coup du cadeau, mais là c'est fun fan 500. Ouais, c'est bien. La commande réagit bien. J'avais vu une autre bonne réponse, mais je sais plus où. Oulolololololo. Mais c'est qui me l'a fumé mon tableau? Twitzen. Non, il a trouvé la dernière bonne réponse. Et tout a été trouvé. C'est scandaleux. Moi. Oh là 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 là. Alors, bonne réponse pour... merde, il faut que j'annonce sur mon... Tu vois, j'en suis perturbé. Oui, alors ça c'est Descent. Bien vu. Et l'autre, effectivement, tu as vu juste une scène, c'est Seria Sport Golf. Eh ouais. Oh là 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 là. Alors attendez, Descent, je crois que je l'ai vu deux fois, non? Non. Non, non, c'est... c'est une scène. Alors Descent, que je serai amené à vous faire sur la chaîne, quand je sais pas, mais je vous ferai les trois, la trilogie, hein, c'est une trilogie Descent. Qui est un peu gerbotron à diffuser, ça va être un peu chaud pour moi parce que vous, spectateurs, j'ai peur que ça vous donne la gerbe parce que ça va dans tous les sens, hein. C'est un vrai 360 degrés. Mais je vous ferai la trilogie. J'avais joué au premier quand j'étais gosse, ado, et j'ai pas connu la suite. Je découvrirai la suite avec vous. Seria Sport Golf. Voilà. Alors, les points. 500 et encore 500. Voilà, au niveau des points, je suis à jour. Bon bah bravo, vous avez fumé un tableau mystère en... Quoi? En 10 minutes? Vous comprendrez qu'il n'y aura pas de nouveau tableau mystère déjà pas avant demain. Et je me demande si le prochain tableau mystère, je ne vais pas vous l'exhiber samedi prochain. Parce que là, vous avez... vous venez fusiller. Ah ouais, non mais... Non mais oui, une scène est redoutable. Il est redoutable.
Il est l'équivalent de quelqu'un qui est doué en répertoire musical à un blind test, quoi. Et clac, 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 les réponses qui tombent. Ah ! Terrible. Ah ouais. Mais désespérez pas, les autres. Désespérez pas. Il y aura d'autres tableaux. J'essaie au moins d'en faire un par week-end. Voilà, pour ceux qui connaissent mal ma chaîne, je fais le tableau mystère en général à la fin de ma session, en fin de journée, en fin de week-end. Donc ça tombe vers les 20h-21h. Et bientôt, promis, je programme dans mon interface le compteur rose qui veut rien dire, qui a un décompte de secondes, parce que je suis en cours de programmation. Ça vous indiquera bientôt à quel moment tombera le prochain... tombera le prochain mystère. Quand aura lieu la prochaine session de jeu tableau mystère. Voilà, pour être clair. Alors, mon cher Fun Fan, t'as lancé ton direct, je suis perdu. Je suis censé te faire un relais de chaîne, mon cher Fun Fan. Oh mon Dieu, je me vois... Ah bah oui, mais c'est bon. Tu as lancé. Alors attends, j'ai déjà essayé de te rejoindre dans le canal. Oh, ce bazar. Alors, gros bisous tout plat. Merci déjà pour votre présence. Ça m'a fait beaucoup de bien, même pour deux petites heures là, tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Merci à Devil Olive pour le relais de chaîne. C'était adorable. Il y a Fun Fan qui se bat avec les résolutions. Il a réussi. Voilà, je lui dis, j'arrive. On va aller chez l'ami Fun Fan pour du Runaway 2. Ça va être cool. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Pour ceux qui suivent pas le raid, gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Bon week-end. Demain, libre à chacun, mais devoir citoyen aux urnes. Voilà. Et on file chez Fun Fan pour du Runaway 2. Bisous tout plein. À demain. Ciao, ciao. Évidemment, vous qui me suivez en différé et sur YouTube, je pense également à vous. Merci à vous d'avoir regardé les vidéos. Et Fun Fan qui me appelle en Discord. Vite, il faut que je coupe tout. Attendez. Ciao, ciao. Oula, panic on board. Ça y est, rachetez-vous. Donc je vous resalue tout de suite quand je lance le jeu. Et en tout cas, merci pour ce gros raid. Donc bonsoir. Mon cher Fun Fan, me rechevez-vous. Ici, oui, très bien. Ah bah c'est bien, c'est cool. Je te reçois très bien, très bien.